Les nuits du chat. Pourquoi? C'est vrai, hein, pourquoi on fait les nuits du chat? Non. Bah, on fait les nuits du chat parce que c'est des beaux moments. Parce qu'il y a des artistes super chouettes qui viennent et qui nous font rigoler. Et des fois, ils nous émeuvent. Je crois. C'est pas compliqué, finalement. Parce qu'on n'est pas des professionnels de la profession. Et on fait ça avec le cœur, avec l'envie de faire des belles choses. Ouais, je pense que j'ai envie de le réaliser pour voir vraiment comment ça fonctionne, quoi. Et ça change tout, en fait, parce que quand j'arrive dans un endroit pour aller jouer, je vois tout. Je vois... le responsable de programmation qui se mord les doigts parce qu'il dit putain les gens ils vont pas aimer, ça va être tout pourri. Je vois l'ingé son qui panique parce qu'il n'avait pas reçu de fiche technique en fait. Et qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont 8 alors qu'ils croyaient qu'ils étaient 2. Je vois... le type qui est censé aller chercher les artistes à la gare mais en fait il n'a pas la feuille de route. Il ne sait pas quand ils arrivent. Aussi, bah, évidemment, pour réunir tous les copains chanteurs. Quoi. Parce que pour la grande majorité, c'est des copains que j'amène ici. Et puis pour faire la fête. En chanson. Hervé, comment je l'ai rencontré? Et j'avais trouvé son spectacle génial quoi. C'était vraiment l'énergie qui me plaisait quoi. Je me suis dit c'est bon, il y a des trucs super chouettes quoi. Voilà quoi, beaucoup d'humour, des belles chansons, jolies mélodies, et puis voilà un bon fond quoi. Je sais pas, une envie de partager, tout ça. Et en fait, je lui ai proposé d'échanger une date. Et il m'a dit ouais, cool. Et on s'est revus quelques mois après. Je lui ai dit écoute, viens au Baloir, à Montpellier, tout ça. On fait un peu plateau, il est venu. Et voilà, c'était chouette, c'était vraiment un beau moment. Je me suis dit, je vais continuer à le faire. C'était le premier avec qui je l'ai fait. C'est marrant, quoi. C'est la première fois que j'ai partagé une scène en chanson, c'était avec Hervé.